Yo Playtryhard, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. Aujourd'hui on va se retrouver pour un gros gameplay avec une arme incroyable, en l'occurrence la Kilo. On va se retrouver pour un 23 kills en solo vs solo. Ce live est extrait de Twitch, donc venez me suivre sur Twitch à partir de 10h jusqu'à 14h tous les jours. Et surtout, avant même que tout commence, montrez votre soutien, montrez que vous êtes là. Et pour vraiment soutenir la chaîne, défonce-moi cette barre de like. 23 kills, solo vs solo, top 1. Et en plus de ça, une action de malade qui va arriver avec le petit pistolet pour ceux qui étaient là ce matin en live. Bah, vous savez de quoi je parle. Vous connaissez l'objectif, les 2000 likes en moins de 24 heures. Montrez votre présence, montrez que vous êtes des gros tryhards. Martyrise-moi la barre de like, bordel! N'oubliez pas également de vous abonner si vous êtes nouveau, l'objectif étant les 150 000 tryhards avant le prochain Call of Duty, on s'en rapproche de plus en plus, donc n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau et de partager cette vidéo là. Et évidemment au niveau de la classe, on se retrouvera juste après le gameplay pour vraiment vous puissiez vous rendre compte que à l'heure actuelle, la Kilo c'est une totale dinguerie que vous devez absolument jouer et un peu délaisser une certaine Bruenne parce que la Kilo est beaucoup plus polyvalente que l'est la Bruenne. Mais zut, il est parti où après l'autre? Je sais qu'il y en avait encore, il y en a un ici. Ok, parfait. Il est toujours pas mort l'autre. Parfait. What? Mais j'ai un pouvoir d'arrêt, c'est pas possible autrement. Mais mec, tu peux pas me dire que tu me tues en 3 balles. Ah bon, pourtant c'est ce qu'il vient de faire. Depuis quand ils ont augmenté la Striker 45? Striker, c'est une arme à... Ok, parfait. Non, c'est vraiment le bon cette game, hein. Ça part de partout. On n'a pas une seconde de répit. Et le truc, c'est que Downtown, tu sais pas à quel top il peut être, quoi. T'as 50 tops différents. Suffit juste qu'ils soient en tir croisé et c'est fini pour toi. Et le problème, c'est qu'à tout moment, bah voilà, il y a un mec au top de Downtown, s'il a envie de me fumer, il me fume. Dis-moi pas que tu campes. Dis-moi pas que t'as un T-top en stimulus. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais un effort. Et il campe. Il est au top. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il y a... Je crois qu'il n'y a même pas de tyrolienne ici, non? Si je dis pas de bêtises. Ah, regarde. Il va jamais bouger maintenant. Allez, go récupérer le loadout parce que... Aucun intérêt. Est-ce que je vais jouer à Wakfu? Non, non. Absolument pas. T'es un peu perdu, toi. Qu'est-ce que t'as essayé de faire? En face? Personne ne dit non. Alors lui, je l'ai mais démoli.
Et c'est même pas le même, hein, dites-vous. C'est pas du tout lui. Y'a un moyen pour aller de l'autre côté? Y'a pas genre une échelle ici? Une tyrolienne, quelque chose? Rien du tout. Monte par le grand building. Mais quel grand building? Ici? Je sais pas du tout, hein. Je vais jamais là-haut, moi, donc je suis pas un campeur. Ici? Mais comment faire? Bah, je sais pas du tout comment faire, en fait. Oh, et puis zut. Tu sais quoi? Il y a une voiture. On prend la voiture et je me casse. Récupérer tout ce qu'il faut. Belle tentative d'ailleurs. Très belle tentative. Parfait. J'avais envie de prendre un drone. Non, pas du tout. C'est ça que je veux. J'aurais été tenté par l'achat d'un drone là, mais vu que c'est 4500 la réanimation. Ah bah voilà. On a volé mes kills là, messieurs. Je reconnais. C'est du vol caractérisé, ça. Attends. Parfait. Oh, come on. T'es en train de camper dans le bâtiment. T'attendais. Et tu te plains en plus. C'est quoi ces joueurs? Non mais voyons. Ça fait 3 heures que t'attends. I'm coming, my little friend. Ah ouais, mais il y a encore là le monde un peu partout. Yo, RHD. On va rester dans cette optique d'enchaîner dans cette zone. Ah, il y a quelqu'un derrière. Ça continue à se fight à côté, hein. Ouais, ouais, ça continue vraiment à se fight à côté, hein.
Ah. C'est toujours pas fini en fait. Parfait. Ouais, ouais, je sais qu'il me courait devant, t'inquiète. T'inquiète, j'ai capté. Le problème, c'est que c'est pas lui le problème, mais bon. Et voilà. Bon, heureusement qu'on est mort juste avant le redéploiement. Heureusement. Ah, faut faire vite. S'il te plaît, ne viens pas. Putain, je dois acheter de travailler au corps à corps. Alors toi, je t'ai travaillé au corps à corps. Ok. Non, le shoot LT. Ok. Le shoot a besoin de vacances. Le shoot est en train de stresser à mort là. Allez, on n'est pas un kill. Allez, juste un kill. Putain, il y en a un depuis le début. Ok, 20 kills. Ça, c'est fait. Non mais... Oh ça c'est caillou aussi à la con. Ok parfait. Il y a des mecs qui vont sortir. Nobody. Ok, 22. J'ai plus beaucoup de mun, hein.
Ok, un dans le bat. Il en reste encore 3, hein. Non. Ok. Et let's go, top 1 23 kills. Le top 1 23 kills, messieurs dames. Il est là, messieurs. Il est là. Nous sommes revenus des enfers. Nous sommes revenus des enfers avec un petit pistolet contre une bruenne. Si ça, c'est pas beau. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit gameplay extrait de Twitch vous aura plu. Donc je le redis évidemment, commentaire épinglé. twitch.tv/locktetto. Tous les jours, on est en live et c'est à ce moment-là où je claque mes meilleurs gameplays essentiellement. Au niveau de la kilo, on va se retrouver pour la lunette VLK. x3, je pense que là-dessus c'est le meilleur viseur par rapport à Warzone en matière générale. Au niveau des munitions, on va se retrouver avec le 30 munitions et pas avec le 100 parce que sinon je vais perdre trop de mobilité. En termes d'accessoires de canon, je vais mettre la poignée avant de commando parce qu'elle est très stable. Au niveau du canon, on va rester avec l'arme Singrad 19.8 qui est vraiment très très utile. Et au niveau de la bouche, on va rester sur le silencieux monolithique. Voilà, c'est la classe kilo en matière générale. Alors j'étais également avec la P90, mais je vais vous faire très prochainement une vidéo dessus, étant donné que l'arme a été buff secrètement. Il n'y a pas eu de patch note en train d'expliquer pourquoi la P90 a été up et que c'est des youtubeurs. Et en matière générale, sensation et impression de jeu que j'ai eu dès le premier jour de la saison 5, je me disais non mais la P90 elle a été up, etc. On me disait mais non, elle a toujours été comme ça, etc. Je disais bon, vas-y, je laisse le bénéfice du doute, et non, finalement, il y a plein de youtubeurs qui ont fait une vidéo dessus disant que la P90 a bel et bien été up. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo entièrement là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Ciao, ciao tout le monde!